Le CESVAC, Centre d'études vendéen, présente. La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 13. La discipline. Bonne année! Je vous ai apporté une étoile pour que cette nouvelle année soit sous le signe d'une bonne étoile. La discipline. Tous nous avons besoin de cultiver des habitudes de discipline, car nous aurons ainsi plus de facilité pour faire face aux différentes situations et responsabilités de notre vie. Nous organiser pour respecter nos engagements pour faire nos devoirs d'école, pour aider à la maison, ou nous occuper des animaux du foyer dont nous avons la responsabilité, est très important, car de cette façon, nous apprenons à avoir de la discipline pour mieux gérer le temps. Les personnes disciplinées arrivent à faire leurs activités correctement et dans de bonnes conditions, à acquérir de nouvelles connaissances et à entretenir de bonnes relations avec leurs amis et leur famille. Être discipliné, c'est éduquer sa volonté, c'est apprendre à gérer ses pensées et à contenir ses impulsions pour conquérir la joie de vivre bien et en paix. C'est aussi organiser son temps en dosant ses activités de façon équilibrée, sans exagération. Quand on n'arrive pas à faire ce qui était prévu, il faut se demander quelle en est la raison. Il faut réfléchir si c'est seulement par indiscipline ou pour une autre raison. Si au début la discipline te semble difficile, en persévérant, tu te rendras compte que petit à petit, ces efforts se transforment en harmonie, en plaisir et en joie de ce que tu fais et de ce que tu obtiens. Être discipliné, c'est montrer qu'on est déjà avancé sur le chemin du progrès spirituel. La discipline est source de progrès moral et la base de la paix, et personne ne peut s'en dispenser. Nous savons que les esprits supérieurs sont disciplinés, qu'ils remplissent tous leurs engagements et qu'ils ne perdent pas de temps en ayant des attitudes ou des occupations moins dignes ou moins utiles.